Eh bien, salut à tous amis pêcheurs, c'est McFly86 et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau petit tuto sur Fishing Planet. Alors, aujourd'hui, nous allons partir en Caroline du Nord pour pêcher encore du poisson-chat, mais pas n'importe quel poisson-chat. Alors, c'est parti, on va d'abord regarder l'équipement. Donc, déjà pour ceux qui suivent mes tutos, comme vous pouvez le voir, j'ai changé mouse, donc maintenant je peux avoir cette canne. Donc nous c'est la canne numéro 3 qui va nous intéresser. Donc fluorure de carbone 0,28, très mauvais état, donc je vais le changer avant d'y aller. Hameçon de 3, moyenne tranche de poisson, profondeur 150. Voilà, bouchon trapu hein, comme d'habitude. Alors attendez, je vais prendre hop, doux fil. Ah d'accord. J'ai pas plus gros. Si. C'est une bobine de combien ça? 500 mètres, 1000 mètres. On va prendre la même bobine de 1000 mètres. Hop! On va se l'équiper de ce pas. Hop là. Voilà. Et c'est bon, on est parti. Alors, Caroline du Nord. Donc, je fais une petite ellipse le temps d'arriver au lac et je vous reprends de suite. Ah si! Ce que j'ai pas dit, donc par rapport au Missouri, regardez bien, Missouri voyage 20$, journée 5$. Là on va en Caroline du Nord, le voyage coûte 250$ et la journée 20$. Mais vous allez voir, c'est largement rentable. Donc on se retrouve tout de suite sur le lac. Voilà, nous sommes arrivés. Alors, pour ce poisson-chat, donc là aujourd'hui on va pêcher vers midi. Nous allons aller, non, pas un endroit idéal, à une charmante forêt. Voilà. Donc, seul aléatoire, hein. Ça, c'est pas trop grave. Voilà, on est que 3. Bon, je vais réduire le chat. Voilà. Donc, on arrive ici. Vous voyez, il y a des branches. Donc là, vous avancez droit devant vous. Donc là-bas, vous voyez, on va prendre la canne qu'il nous faut. Vous avez une cabane juste en face. Et là-bas, au bord, vous avez des nénuphars. Alors, on va se mettre à midi. Voilà. Pardon. Et là, on va lancer à peu près entre 23 et 25 mètres environ. Bah voilà, impeccable, 23 mètres. Voilà. Et maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Alors, le tuto là, par contre, c'est faut être, faut pas être au niveau 5-6, hein. Rêvez pas. Ça ne sert strictement à rien. De toute façon, au niveau 5 ou 6, vous n'avez pas débloqué la map. Quand vous avez débloqué la map, franchement, moi ce que je vous conseille, c'est une map qui vaut vraiment le coup. Pour ma part, j'ai pris la licence étendue. Après, si vous voulez, si vous hésitez, moi ce que je fais en général, avant de prendre une licence pour une map, je teste. Je paye pour 2-3 jours. Et je teste la map pour les 2-3 jours. Après, c'est vous qui voyez, hein, vous faites comme vous voulez. Mais cette map vaut vraiment le coup parce que sur cette map, il y a vraiment de tout. On a du poisson-chat, de la carpe, du carnassier qu'on va pouvoir prendre au bouchon comme à la cuillère. On a de l'unique. On a vraiment, c'est vraiment. Cette map, c'est vraiment le must du must, quoi. Elle est vraiment géniale. Franchement, je vous la conseille. Et en plus, malgré que le voyage soit cher
et que la journée soit à 20 $, vous allez voir que en un poisson, on peut rembourser notre journée. Et largement. Donc ça commence à mordre. Ils sont pas timides ce matin là, les petits poissons là. Pas timides du tout. Donc je vais en profiter. Je tenais à vous remercier pour ceux qui suivent mes tutos. Ça fait super plaisir. Je vous en remercie, hein. Certaines personnes ont mis des petits commentaires. Bon, pas grand-chose, juste un merci. Mais non, merci à vous en fait, hein, tout simplement de suivre mes vidéos. Ça fait très plaisir. Donc si vous voulez d'autres tutos, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Si la vidéo vous plaît, lâchez un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Après, s'il y a un poisson en particulier que vous souhaitez pêcher mais que vous n'y arrivez pas, bah, demandez-moi pourquoi pas, je ferai un tuto dessus. Après, bah, bien sûr, si j'en ai la possibilité. Donc là, vous voyez, moi là, je suis level 15 et le pépère me donne pas mal de fil à retordre. Parce que vous allez très vite savoir pourquoi les poissons-chats à tête plate sont assez costauds. Donc bien sûr, faire gaffe à pas trop détendre la ligne, parce que sinon, eh ben, ils vont vous dire qu'il n'y avait pas assez de tension dans le fil et que le poisson s'est échappé. Tout simplement. Voilà. Alors. Ouais, là, ce que je viens de faire, là, les barres bleues, là, elles ont viré. Là, ma ligne était beaucoup trop détendue. Puis celui-là, cherchez pas à essayer de le faire sauter hors de l'eau, c'est même pas la peine, hein, vous y arriverez pas. Il est beaucoup trop gros pour ça. Alors, on y est presque. Bon, il m'a pas trop. Il force pas trop non plus. Là, je sais pas si vous pouvez bien voir à la surface, on l'a aperçu. Là, on le voit à la surface, vous voyez. Quand même un beau pépère. Voilà, c'est bon. Vous allez voir le monstre. Regardez-moi ça. C'est un petit, hein. Franchement, c'est un petit. 6 kilos, c'est le plus petit que j'ai pris. Vraiment, c'est un petit. C'est un petit chat. À 6 kilos, c'est un petit chat. Donc voilà. 6 kilos, 386. Il fait quasiment 1 mètre. 50 d'XP. Voilà. Et il rapporte. Il rapporte 38 $. Voilà. Mais ça, je peux vous dire que c'est vraiment un petit poisson. Je vous le prouve dans mes trophées. Poisson chat à tête plate, 11 kg 939. Et il y en a des plus gros que ça. Donc voilà. Après, ça va dépendre aussi un petit peu de votre level, je pense. Donc voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour ce petit tuto sur le poisson-chat à tête plate. J'espère qu'il vous aura plu. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Ciao, ciao.